Toi qui t'es taillée, maman. Tu vas aller avec Zampano. Il t'apprendra un métier, toi. Tu lui gagneras des sous. Puis ça fera une bouche de moins à nourrir à la maison. Ah, ma petite Gelsomine. Il est gentil, Zampano, tu sais, il t'aimera bien. Tu pourras faire le tour du monde, danser, chanter. Et puis, tu vois ce qu'il m'a donné, Gelsomine. Il m'a donné 10 000 livres. Regarde, c'est voilà, 10 000 livres. Avec ça, je pourrais faire réparer le toit. Les pauvres petits auront un peu à manger. Ah, oh, ton père, pourquoi il nous a abandonné, ton père, Gelsomine? Tu es déjà grande. Tu n'as jamais encore travaillé. C'est pas ta faute, ma pauvre petite, si tu n'es pas comme les autres. Oh, tu veux bien l'aider un peu, ta maman. Avec lui, tu apprendras un métier. Pas vrai, Zampano? Ah oui, sûrement que je finirai par en faire quelque chose. Ça aussi quand Rosa était là? Ah, fous-moi la paix. Qu'est-ce que tu veux encore? Alors vous êtes de ceux qui vont avec des femmes? Quoi? Vous êtes de ceux qui vont avec des femmes? Écoute, si tu veux rester avec moi, faut que tu apprennes une chose. À bien fermer ta gueule. Bonjour à la dame. Bonjour, madame. Toi, viens ici, je te dis. Venez vous asseoir avec nous. Dis bonjour. Bonjour. Bon. Eh oui, pauvre homme. Si tu ne restais pas avec lui, qui resterait? Tiens, tu ne vas peut-être pas le croire, mais tu vois, dans l'univers, tout sert à quelque chose. Si tu prends ce petit caillou, par exemple. Lequel? N'importe lequel, celui-là. Eh bien, il sert à quelque chose, même ce petit caillou. Et à quoi? Comment veux-tu que je le sache? Si je le savais, tu sais qui je serais? Qui? Dieu, celui qui sait tout. Quand tu dois naître, quand tu dois mourir, qui peut savoir ça? Non. Je ne sais pas à quoi il peut servir, ce petit caillou. Mais il sert sûrement. Parce que si ce petit caillou ne servait à rien, alors... les étoiles non plus. Du moins, c'est mon idée. Même toi, tu sers à quelque chose. Oui, toi, avec ta tête d'artichaut.
Hé, hey, mademoiselle, dites-moi, comment connaissez-vous cet air? Quel air? Ben, celui-là. Celui que vous chantiez à l'instant. Ah, celui-là. Oui. C'est une jeune fille qui me l'a appris. Une jeune fille qui habitait avec nous dans le temps. Quand ça? Oh, il y a très longtemps. Peut-être 4 ou 5 ans. J'ai fini par apprendre cet air parce qu'elle le jouait tout le temps. Et maintenant, où est-elle? Elle est morte, la pauvre gosse. Oh, mais dites, vous n'êtes pas du cirque? Elle aussi, elle avait travaillé dans un cirque ambulant. Personne ne savait au juste qui elle était. Elle ne parlait jamais. C'est beau.